La présentation d'aujourd'hui, en fait, elle va servir à présenter justement un ouvrage qui a été récemment publié à Paris dans une revue spécialisée qui s'appelle Cahier international de sociolinguistique. Et en fait, il y a un numéro spécial qui a été consacré à la recherche sociolinguistique à Maurice. C'est un numéro qui regroupe une dizaine d'articles d'auteurs différents, soit d'auteurs mauriciens, soit d'auteurs qui connaissent très bien Maurice, et qui traitent justement de la situation des langues à Maurice, mais avec à chaque fois des angles, des approches qui sont différentes. Il y a une partie qui est un peu plus, on va dire, historique sur les grands moments de l'histoire des langues à Maurice, sur des personnages aussi importants qui ont marqué l'étude des langues à Maurice, donc par exemple Charles Bessac. Et puis vous avez une partie qui est beaucoup plus contemporaine, qui aborde la situation des langues aujourd'hui à Maurice, la situation mais aussi les pratiques des langues. Donc, par exemple, il y a un article qui traite un peu du parler jeune, entre guillemets, des pratiques linguistiques des jeunes et de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mon article, par exemple, aborde beaucoup plus la répartition des langues dans l'espace à Maurice, donc interroge un petit peu certaines idées préconçues qu'on peut avoir sur la zone rurale est plus vocheporiphone, la zone urbaine est plus francophone, etc. Donc voilà. Et ben, ce que j'essaie de faire dans ma partie, c'est de constater que la sociolinguistique à Maurice existe depuis maintenant une quarantaine, cinquantaine d'années, ça dépend comment on décide, quelle est la date de début. Et donc, il y a beaucoup de choses positives dans le bilan, une meilleure connaissance de la situation des langues à Maurice, des actions comme par exemple la promotion du créole dans le système éducatif, etc. Il me semble qu'il est temps peut-être de critiquer un peu tout ça, de faire un bilan, et j'essaie de faire ça dans le texte que j'ai écrit. Ma contribution à moi est centrée sur Charles Bessac. Beaucoup de gens ont entendu parler de Charles Bessac, beaucoup citent son nom, souvent à tort et à travers, sans trop savoir qui c'était. Et même les spécialistes en linguistique savaient peu de choses réellement sur l'homme, la vie de l'homme, et même ses contributions. Et il y a 3 ans de cela, j'avais eu l'occasion de rééditer l'ouvrage « Études sur le patois créole » de Maurice de Bessac. Et je m'étais engagé ce jour-là à essayer de tout faire pour faire de la lumière sur la vie, la biographie de Bessac, et aussi mettre en lumière sa véritable contribution. Et le but de mon papier, c'est de dire que c'est Charles Bessac qui a été un peu, en quelque sorte, le précurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui les études créoles mauriciennes. Alors, par rapport à cet ouvrage, je me suis concentré sur un petit peu comment on peut revoir le concept même de sociolinguistique, en me fondant un petit peu sur les autres théories et systèmes épistémologiques qui existent. Par exemple, j'ai parlé un peu des théories du chaos et de la complexité, et essayer de voir comment, par plusieurs trajectoires, on peut utiliser ce genre de système de connaissances pour aborder les langues à Maurice. On vit dans un système complexe, tout est complexe finalement, et la situation sociolinguistique à Maurice est aussi une situation complexe. Et donc, je me suis focalisé un petit peu sur comment cet ensemble théorique de la complexité peut être utilisé pour appréhender l'effet de langue à Maurice.